Hello, hello, my international people. This is Louise Uwacho broadcasting live from Vancouver, Canada. Thank you for being with us. This is March 14th, 2013. And sorry to those of you who speak English, because the show today is going to be in French. You're lucky we're not having the show in Latin. Why do people speak in Latin? They say it's a dead language, but yesterday or whenever the time that they were announcing the Pope, people started speaking Latin, man. I was like, what? Anyways, we will find out where Latin comes from. And today on the show, it's going to be in French. Yes, we have a new mom. Hey, mom is the female version of Pope. All right, we have a new mom for a new Pope, and we have decided to talk about mental manipulation on planet Earth, but it's going to be in French. So thank you for tuning in, but welcome to the French edition of the show. Merci d'être avec nous, chers auditeurs de ce soir. Louise Uwacho de Vancouver. Alors ce soir, attention, attention, manipulation mentale. Nous avons Zwamba premier, all the way du Québec, pour nous parler des manipulations mentales. Alors, merci d'être avec nous. Bonsoir, cher Zwamba Simanga. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup. Quelle présentation. Ah, Zwamba premier, le grand des grands lacs du Grand Congo. Vraiment. Qui a besoin d'aller à Rome? Merci encore une fois pour cette invitation, pour discuter toujours des questions tout aussi intéressantes. Oui, en tout cas, le timing est excellent. Ça fait depuis très longtemps qu'on a planifié ce show, mais il tombe vraiment très bien au très bon moment, là. Et commençons par le latin. Par le latin. Commençons par le latin. Pourquoi les gens sont en train de parler en latin, en train de nommer un papus, papum, des histoires comme ça, là? D'où vient le latin? Est-ce que le latin, c'est encore une technique de manipulation par rapport au sujet même d'aujourd'hui? Bon, le latin, effectivement, bon, c'est une langue européenne, donc c'est, en tout cas je trouve que c'est normal dans un certain sens qu'eux puissent magnifier, célébrer leur langue, ça fait partie de leur culture. Maintenant, la difficulté avec cela, c'est que c'est nous maintenant, nous, c'est-à-dire les Africains qui eux sont devenus chrétiens avec l'histoire de la rencontre avec l'Occident, sont devenus chrétiens. Alors, en quoi cette langue les concerne-t-il? Ça ne les concerne pas du tout. Hein? Ça ne les concerne pas du tout. Donc, c'est vrai qu'il est plutôt bizarre et étrange de constater que la langue liturgique, dans ce cas-ci, dans le christianisme, on utilise donc la langue du maître, en quelque sorte. Et pour nous, c'est effectivement une position infantilisante pour nous, puisque il n'y a absolument rien dans tout ce protocole-là, puisqu'ici, dans le protocole d'élection du pape et de son annonce, on a utilisé le latin. Alors, pour nous, on n'est pas du tout concerné par cela, et ça développe encore, ça permet de renforcer en nous un complexe d'infériorité. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait, par exemple, en Swahili, en Lingala ou en Wolof? Mm-hmm. Ouais. Mais pour ceux qui disent que le latin, justement, vient du Lingala. Bon,
Oui, effectivement, il y a cette idée-là, mais n'empêche que bon, si on doit raisonner comme cela, on peut dire la même chose aussi de toutes les langues du monde, hein, puisque on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, donc forcément, tous ceux qui sont sortis, qui parlent d'autres langues en dehors de l'Afrique, ça doit faire une généalogie. De ces langues, donc forcément on va tomber à l'Afrique, mais bon, disons que je peux dire, en tout cas, je pense que c'est une simplement une façon de se consoler devant une manifestation aussi humiliante. Ouais. Je vois. Donc, rappelons à nos auditeurs que vous êtes un grand chercheur et vous êtes responsable de oummesut.com et que donc là, vous avez une section chez oummesut qui fait la surveillance des techniques de manipulation mentale. En fait, on s'est intéressé, bon, c'est-à-dire que je ne suis pas seul, hein, je suis avec d'autres personnes dans le groupe, et je les salue en passant, et aussi, c'est que nous nous sommes plutôt intéressés à ce problème parce qu'on a remarqué que, en général, en tout cas dans notre communauté, nous ne nous intéressons pas suffisamment à cette question hein, que nous on appelle les armes de domination mentale, c'est-à-dire qu'il y a des chercheurs, des professeurs qui en parlent comme ça un peu en pointillé, mais on n'avait pas la sensation qu'il y avait des gens qui se penchaient dessus un peu plus profondément. Mais donc, alors, disons que je vais donner une situation, une citation qui va un peu expliquer ce que, pour nous permettre de mieux comprendre ce que je veux dire. C'est une citation de Steve Biko qui est sud-africain, donc un héros de la lutte anti-apartheid. Alors, il dit que l'arme la plus puissante entre les mains de l'oppresseur et l'esprit de l'opprimé. Ouais. Alors, donc, la question ici, puisqu'il s'agit de manipulations mentales et des dominations mentales, c'est de savoir c'est que la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui en tant que communauté, elle est donc une situation donc de domination, et c'est de pouvoir comprendre donc les mécanismes de domination. Et là, Steven Biko nous dit que l'arme la plus puissante donc entre les mains de ceux qui nous oppriment est l'esprit de l'opprimé, donc notre esprit. Donc la situation que l'on vit actuellement, c'est que les autres, enfin ceux qui, à la force de l'histoire, ont fini par nous dominer, ont conquis, ont pris possession de notre esprit. Alors, c'est pour ça que nous considérons, hein, dans notre groupe, nous considérons que le problème de l'Afrique, en tout cas le problème que traverse notre communauté, n'est pas un problème que d'aucuns voudraient réduire au manger et au boire, c'est-à-dire qu'il suffit de nous donner à manger et à boire et puis tout est réglé. Ou des problèmes de développement, hein, comme le professeur Obenga dit souvent, nous faisons un usage diaérique du mot développement. Hein. On utilise le mot, on utilise le mot un peu tout le temps, à toutes les sauces, association de ceci, de développement, parti politique de développement. On utilise toujours le mot développement, développement, comme si le problème central est celui du développement. Alors nous pensons plutôt que le problème de notre problème, le problème de l'Africain est plutôt et de l'Africaine aussi, hein, est plutôt situé au niveau de reprendre possession de notre esprit, c'est-à-dire il faut libérer notre esprit. Hein, si on doit rester, voilà, si on doit rester dans la thématique de la citation de Biko qui dit que l'arme la plus puissante, il dit bien la plus puissante, hein, la plus puissante qui est entre les mains de l'oppresseur, c'est notre esprit. Donc, il s'agit ici de libérer d'abord notre esprit
des mains de l'oppresseur. Donc notre problème principal n'est donc pas un problème de développement, c'est un problème de libérer d'abord notre esprit, et puis le reste, effectivement, viendra de soi. Hein. C'est comme respirer, on ne demande pas à quelqu'un de respirer, il respire de toutes les façons. Donc pour ça aussi, pour se développer, nous pensons qu'il est inutile de crier matin, midi, soir qu'on doit se développer. On sait, tout le monde sait qu'il faut s'émanciper économiquement, etc., etc. Dans la prospérité matérielle, puisque c'est de cela qu'il s'agit, tout le monde sait que on vient au monde, on va à l'école, tout ça là-bas, et l'aboutissement après, c'est cela. Donc, mais pour pouvoir rendre effective justement cette prospérité matérielle, il nous faut d'abord au préalable, c'est ce que nous croyons, il nous faut d'abord au préalable libérer notre esprit. C'est de cela qu'il s'agit dans le fond. La liberté spirituelle versus donc la colonisation spirituelle. Est-ce que justement ce nouveau pape, que les gens s'en réjouissent, qu'il est soi-disant de l'Amérique latine, qu'il est argentin, mais est-ce que le fait que il soit de l'Amérique latine et qu'il soit catholique et qu'il soit espagnol ou je sais pas, et qu'il parle espagnol et tout ça, et qu'il pratique le catholicisme, est-ce que ça, justement, ce n'est pas le témoignage de l'extermination spirituelle et physique des peuples de l'Amérique latine? Bon, c'est-à-dire que en parlant de cela, cette extermination spirituelle, c'est-à-dire qu'il faudrait d'abord, en Amérique latine, il y a des populations d'ascendance donc européenne, espagnole et tout ça là-bas. Et effectivement, il y a aussi des populations autochtones dites amérindiennes. Et donc, si on doit parler d'assassinat spirituel dans ce cas-ci, c'est Un vrai génocide spirituel là-bas, là. c'est ça. Si on va parler d'assassinat spirituel, je pense c'est peut-être en direction des populations autochtones amérindiennes, sans oublier effectivement qu'il y a des populations d'ascendance africaine qui sont là-bas aussi. Donc c'est un lieu où se rencontrent plusieurs peuples. Alors, effectivement, on ne peut pas s'empêcher de constater cette prépondérance, en quelque sorte, de cette culture donc catholique qui vient de l'Europe, hein, dont bénéficient essentiellement les populations d'ascendance européenne, et les autres leur sont soumis à travers cela. Les autres leur sont soumis à travers cela. Et donc, on parlait du latin ici tantôt. Donc, le latin, pour les populations d'ascendance européenne qui sont là-bas, ça leur parle, c'est leur culture, ça fait partie de leur patrimoine culturel. Mais pour les autres catholiques qui sont là-bas, d'ascendance africaine ou des populations autochtones, cette religion-là, normalement, ne les concerne pas. Et voilà. Et je peux dire que dans bien des pays, d'ailleurs, bon, ces populations d'ascendance européenne ne représentent pas nécessairement la majorité de la population. Bon, toute proportion gardée. Ouais. Ouais. Donc, ça veut dire quoi alors en termes de domination mentale, spirituelle, pour l'Église? Est-ce que les gens doivent même, est-ce que nous devrions même parler de là présentement? Est-ce que vous pensez que, par exemple, la mort du président Chavez dont nous allons parler, est-ce que c'est relié au nouveau pape qui est aussi de l'Amérique latine? On peut voir cela comme ça, puisque de toutes les façons, le président Chavez, lui, dans
sa lancée, dans sa carrière politique, il s'est donné pour mission de libérer son pays des griffes de la prédation du capitalisme globalisé. Alors effectivement, comme de toutes les façons, c'est-à-dire que son combat, son discours, son aura a débordé sur l'autre pays de la région, et on se retrouve avec un nouveau leadership qui épouse, hein, qui épouse en quelque sorte ses idées. Donc l'Amérique du Sud est en train de s'arracher progressivement de la tutelle, hein, de la tutelle de l'Occident, hein, de la tutelle de l'Occident. Alors, maintenant, est-ce que le fait d'avoir un pape qui est issu de cette région-là va freiner les ardeurs? Bon, personnellement, je ne le pense pas, je ne le pense pas, puisque bon, Chavez, bon, il était un chrétien convaincu, mais ça ne l'a pas empêché pour autant d'arracher son pays de la tutelle du capitalisme globalisé. Voilà un peu. Mais c'est plutôt à nous, en Afrique, qu'on devrait se poser des questions sur ces choses-là, puisque en Amérique du Sud, eux, ils sont déjà en avance, ils sont en train de faire l'élite politique, en tout cas là-bas, est en train de changer de direction et de s'émanciper progressivement d'une certaine tutelle, alors que pour nous, en Afrique, on est encore prisonnier des vieux schémas de domination. Alors, selon vous et selon vos observations et tout le groupe de OM Mesut, quels sont, genre, comme les trois top techniques ou observations ou des choses qui se passent présentement pour dominer les gens mentalement ou les manipuler? Alors, avant ça, j'aimerais d'abord revenir sur le fait que l'histoire de la rencontre avec l'Occident depuis les débuts d'abord est une histoire donc violente. Ils ont eu sur nous des ambitions prédatrices, hein? Ils ont eu sur nous des ambitions prédatrices, puisque l'Afrique était et demeurera toujours ce territoire de toutes les convoitises. Donc il y a eu une ambition prédatrice dès le départ, et pour que cette ambition prédatrice puisse être couronnée de succès, il a fallu mettre en place des mécanismes, hein, des mécanismes comme ce que Steve Biko disait, de possession de l'esprit des populations ciblées, donc, et donc mettre en place ainsi donc des mécanismes que l'on pourrait appeler des mécanismes d'infantilisation à tous les niveaux, hein, des mécanismes d'infantilisation à tous les niveaux pour nous déconnecter, hein, pour nous déconnecter par l'éducation de notre matrice culturelle. Non seulement de nous déconnecter de cette matrice culturelle, mais il a fallu aussi dénigrer, hein, il a fallu dénigrer aussi cette matrice culturelle pour nous décourager, pour nous désolidariser, pour nous décourager d'y revenir, hein, pour nous désolidariser de cela. Et pour cela, ils ont utilisé essentiellement un discours. Un discours infantilisant après la conquête, hein, après la conquête et leur victoire militaire, donc à travers l'éducation, ils ont utilisé un discours infantilisant. Ils vont, et à travers ce discours, c'est un discours qui avait pour objectif
fabriquer en nous le consentement, de nous convaincre que ce discours est vrai. Et à côté de cela, ils ont mis aussi sous pied notre discours de dénigrement, un autre discours de dénigrement qui va aller dans le sens de nous convaincre également que la matrice culturelle auquel nous appartenons n'est pas n'est pas n'est plus ne serait plus appropriée pour nous et C'est de dans la ce sorcellerie, quoi. voilà c'est ça ne serait plus appropriée pour nous et que voilà c'était pour installer en nous le mépris de cela le mépris de nous-mêmes donc et de fabriquer chez nous ce consentement, hein, se fabriquer chez, en nous ce consentement, et pour qu'on puisse accepter, hein, pour qu'on puisse accepter en quelque sorte leur tutelle, hein, dans tous les sens du terme. Parce que venir nous conquérir et nous dominer uniquement par les armes, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas. Ce n'est pas vivable sur la longue durée, puisque de toutes façons, à un moment donné, les gens n'acceptent pas d'être dominés non plus militairement, et à un moment donné, il y a des esprits révolutionnaires, des rébellions et tout ça là-bas. Alors, donc, pour anticiper sur ces phénomènes de libération, il a donc fallu mettre en place des mécanismes pour nous. Pour nous convaincre que la situation de tutelle, pour nous convaincre du bienfait, hein, du bienfait et de la nécessité d'avoir une relation de tutelle avec eux, hein, une relation de tutelle avec eux, si bien que même si après on se libère par des mouvements révolutionnaires et tout ça là-bas, eh bien, même après, hein, on va quand même demeurer, on va quand même rester dans cette dynamique de tutelle avec eux. Et la religion ici, justement, donc on va revenir sur le sujet de la religion, et la religion ici, donc, fait partie donc de ces outils, hein, de ces outils qu'ils ont utilisés pour pouvoir installer dans notre esprit cette conviction-là, que nous ne pouvons pas. Nous faire notre chemin, hein, faire notre chemin en dehors du cadre qu'ils ont fixé et en dehors des instruments de domination qu'ils nous ont fournis. Et Oui. voilà, c'est un peu ça, un peu grosso modo, Donc les pour gens essayer doivent se d'appliquer. tourner à Rome pour prier leur Dieu au lieu de se tourner vers leurs ancêtres, vers leur Congo. Et ensuite, les gens doivent se tourner à La Haye pour de la justice internationale. C'est ça exactement. Exactement cela. Ce sont tous ces mécanismes-là que j'appelle des mécanismes d'infantilisation. Ces mécanismes d'infantilisation, donc, ont pour but de nous convaincre du stéréotype du nègre incapable. Hein? Puisque, effectivement, pour aller au ciel, pour aller au paradis, nous devons effectivement passer par ces outils spirituels que les autres nous fournissent, puisqu'on reçoit tout, et même pour la question du tribunal pénal international. Alors, voilà encore un autre sujet qui montre effectivement que voilà, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la possibilité, hein, vous n'avez pas la possibilité, puisqu'on a été convaincu de notre statut d'infantilisation, vous n'avez pas la possibilité de juger vous-même vos propres criminels, donc nous on va le faire pour vous. On va le faire pour vous, c'est ça. Donc, pour pouvoir donc rendre effectif ces ambitions prédatrices qu'il y avait au départ, donc il a fallu mettre en place des mécanismes d'infantilisation pour nous convaincre de cela, et ainsi la prédation qui viendra après, donc la prédation des ressources, hein, des ressources naturelles, matières premières, etc. La prédation des ressources se serait ainsi facilitée. Hein, Je ce n'est que vois. tant, voilà,
Alors, est-ce que Donc, vous pensez que, par exemple, des peuples du Kenya sont moins dominés par rapport aux peuples de la Côte d'Ivoire, vu que la CPI a pu kidnapper Gbagbo, alors que là, la CPI avait accusé un candidat à la présidence et il a quand même gagné les élections. Et d'ailleurs, j'ai vu un de vos posts que celui-là, qui était son adversaire, a demandé une rencontre des voix, alors que quand il était modérateur dans le cadre de la Côte d'Ivoire, il avait refusé le décompte des voix à Monsieur Gbagbo. Oui, c'est que dans le cas, par exemple, du Kenya, ce qui est différent de la Côte d'Ivoire, c'est qu'au Kenya, il n'y a pas de troupes étrangères stationnées dans le pays pour séparer deux belligérants. C'est-à-dire que il n'y a pas d'armées étrangères qui vont aller capturer, qui vont les capturer ou Kenyatta, comme c'est fait le cas avec le président Gbagbo, où on a une armée étrangère dans le pays, hein, qui a pris camp pour un des candidats et qui prend l'initiative d'aller capturer l'autre candidat. Alors on n'a pas ce même cas de figure au Kenya, donc c'est ça qui explique que la situation soit différente en soi. Et pour le Soudan, c'est la même chose aussi avec Omar Béchir, tu me remarqueras. Lui aussi, il est menacé par cette cour-là. Alors, mais comme la situation militaire, comme la situation militaire n'est pas aussi pourrie que ça ne l'était en Côte d'Ivoire, donc il est beaucoup plus difficile d'aller chercher la personne en tant que telle, alors qu'en Côte d'Ivoire, c'était relativement beaucoup plus simple. C'est Et ça. alors là, que pensez-vous de ce monsieur qui demande la décompte des voix alors qu'il a refusé à Gbagbo la même chose? Disons que on peut dire que on peut considérer que c'est la justice des ancêtres, en quelque sorte. C'est l'arroseur arrosé, c'est-à-dire qu'il est allé en Côte d'Ivoire. Donc, il s'agit ici de Odinga. Il est allé en Côte d'Ivoire en 2011. En Côte d'Ivoire en 2011, et il a refusé, en tant qu'émissaire de l'Union africaine, donc, il a refusé que la proposition du président Gbagbo de recompter les voix sous le prétexte que ça mènerait à une situation de contestation sans fin. Et pourtant, pour le cas de son pays et son cas lui-même, puisqu'il était candidat à la présidentielle au Kenya, pour son propre cas, il est retombé dans la même situation, hein. Et en fin de compte, ce qu'il a refusé à la Côte d'Ivoire, il l'avait pour lui. Et bon, ça c'est l'arroseur arrosé. C'est pour ça que je parle peut-être que quelque part, il y a une justice qui est là. Pensez-vous qu'il espérait être dans la situation inverse et qu'il aurait refusé le décompte à son adversaire, Monsieur Uhuru, si le vote avait été juste? En sa faveur, bon, peut-être, sans doute, hein, sans doute, il aurait peut-être argumenté à sa façon, un peu comme en Côte d'Ivoire, pour ne pas donner du crédit au recomptage des voix. Mais encore là, la situation au Kenya est différente, puisque les rapports de force ne sont pas ceux de la Côte d'Ivoire, où en Côte d'Ivoire, il y avait un troisième intervenant, hein, qu'on appelle pompeusement la communauté internationale. c'est cela qui a, en quelque sorte, joué un peu dans l'équilibre des forces en Côte d'Ivoire, mais ça, on ne retrouve pas cela au Kenya. Mais peut-être qu'effectivement, il allait contester, qu'il allait peut-être
dire quelque chose, sans doute, hein, contre le comptage des voix, si c'était lui qui avait gagné. Mais là, malheureusement, j'ai entendu dire le président, le nouveau président élu, en train de féliciter le nouveau pape et de se dire qu'il est catholique et que donc il est content pour le pape et tout. Donc lui, par rapport à son père qui a combattu pour l'indépendance, que dire de la domination mentale de... Que dire, bon, que dire de la domination mentale? Ben, en fait, c'est que ça revient un peu à la question, si on doit comparer avec le cas de Chavez qui lui était donc chrétien et que bon, pour ainsi dire, ça ne l'a pas empêché d'amener le pays vers la libération. Alors maintenant, ce qu'on remarque, si on doit faire le parallèle justement avec ce qui se passe au Venezuela avec Chavez, ce qu'on remarque, c'est qu'avec Chavez, lui, a puisé dans l'imaginaire du Venezuela, hein, a puisé dans la culture même vénézuélienne, dans la culture politique vénézuélienne, pour trouver l'inspiration qu'il fallait pour sortir son pays des griffes du capitalisme globalisé. Et donc les effets de sa christianisation, en quelque sorte, n'a pas pu avoir totalement le dessus sur lui, concernant les mécanismes d'aliénation, quoi, hein, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Mais effectivement, si en tout cas, c'est ce que nous pensons que, en se libérant donc de cette aliénation spirituelle, très certainement, au Venezuela, il allait très certainement faire beaucoup plus. Nous, c'est ce que l'on croit. C'est-à-dire qu'il a fait ce qu'il a bien pu faire jusqu'à un certain point. Et effectivement, les autres mécanismes d'altération font en sorte que les résultats plafonnent à un certain point. Alors, dans le cas du Kenya, c'est la même chose aussi. Si lui, en tant que donc chrétien convaincu, il va puiser dans l'imaginaire, dans la tradition culturelle politique de son pays, alors probablement, pour pouvoir sortir le Kenya en quelque sorte de la prédation du capitalisme globalisé, alors certainement il va obtenir des résultats positifs comme au Venezuela, bien que il se retrouve en train de revendiquer son appartenance à cette religion-là. Mais par contre, si sa réflexion politique, si sa façon de gouverner ne s'inspire pas du patrimoine de son pays ou de l'Afrique, bon, il ne fera pas plus. Il ne fera pas plus. C'est cela, en fait. Donc, le challenge alors pour nous, c'est quoi? Quels sont les autres techniques, moyens de domination que vous avez repérés là? Parce qu'il faut tout nous dire pour qu'on puisse se libérer, quoi. Oui, c'est ça. Mais bon, on va. Alors, ce que je peux dire, c'est-à-dire que je vais donc partir de la question des mécanismes d'infantilisation. Donc, je disais que avant de venir à notre rencontre, donc l'Occident a toujours d'ailleurs des ambitions prédatrices sur nos ressources, et l'Occident donc a donc mis en place des mécanismes d'infantilisation pour pouvoir nous convaincre
pour fabriquer en nous le consentement, c'est-à-dire le fait d'accepter la tutelle qu'ils auraient sur nous. Et pour y arriver, donc, comme je le disais, ils ont mis en place donc une série que nous on appelle c'est-à-dire le discours de dénigrement et les discours infantilisants, en mettant ça ensemble, nous l'appelons comme le vocabulaire de la plantation, c'est-à-dire que on nous maintient psychologiquement, hein, on nous maintient psychologiquement dans la plantation. Et d'ailleurs, le cadre qu'ils ont mis en place, il y a un prêtre du Burundi qui le décrit bien dans son livre. Il s'appelle Michel Kayoya. Dans son livre sur les traces de mon père, il dit « L'homme blanc se laisse voir homme chez lui. Dès qu'il sort de chez lui, c'est affreux. Il analyse, épie, regarde, classe et définit. Il s'approprie, conquiert et domine. » Donc, ce que Michel Kayoya dit ici, c'est exactement cela. C'est qu'une fois que la conquête est accomplie, alors il va se mettre à analyser, épier, regarder, classer et définir. Voilà, donc il s'approprie, il conquiert et domine. Donc Michel Kayoya le décrit très bien dans cette pensée qu'il a. Et voilà, donc et on met en place des mécanismes comme ça, ils mettent en place des mécanismes d'infantilisation pour nous convaincre, hein, pour nous convaincre que ce niveau de discours-là, pour nous convaincre que le stéréotype donc du nègre incapable, hein, du nègre incapable qu'ils ont conçu dès le départ, c'est de le rendre vivant dans notre esprit, hein, de le rendre vivant dans notre esprit, et c'était la seule façon pour eux de pouvoir mettre la main, hein, de pouvoir mettre la main sur notre esprit, comme le disait déjà Steve Biko. Alors donc ils vont mettre donc en chantier ces mécanismes donc d'infantilisation à travers l'école, hein, c'est-à-dire que c'est dans la scolarisation des nouveaux conquis qu'on remarque cette inoculation-là de cette nouvelle pensée. Et on va généraliser donc un système d'éducation qui va dans le sens de nous arracher, hein, de nous arracher notre matrice culturelle dans tous les sens du terme, hein, de nous arracher dans cette matrice culturelle, de nous déconnecter de notre mémoire historique et pour nous plonger dans un univers, hein, dans un univers comme ça préfabriqué, cet univers que Michel Kayoya présente, où il dit que après avoir analysé, épié, regardé, il classe et définit, hein. Donc c'est eux qui prennent l'initiative de nous classer et de nous définir, hein. Par exemple, si c'est eux qui disent que nous sommes, par exemple, au niveau identitaire, c'est eux qui disent que nous sommes noirs, c'est eux qui disent que nous faisons partie de l'Afrique subsaharienne, hein, des mots clés comme ça. Donc ils nous classent, ils nous définissent, c'est eux qui prennent l'initiative de dire que notre univers culturel est dit ethnique, hein, que nous, notre musique, c'est pas tout à fait de la musique, c'est de l'ethnomusique. C'est de l'ethnomusique. Alors que par contre, ils ont de la musique classique. Ils n'ajoutent pas comme ça des mots clés qui servent un peu de bombes psychologiques, quoi, en quelque sorte. Donc, là, les gens, ils vont à l'école en pensant qu'ils vont être, ils vont apprendre, mais au fond, les plus éduqués, alors, sont les plus esclaves. C'est ça. C'est-à-dire que, à travers, donc, l'éducation, on va développer, dans la population conquise, on va développer une mentalité, une psychologie extravertie qui va dans le sens de confirmer,
hein, de confirmer la nécessité d'avoir sur soi une tutelle. Hein, une tutelle. Alors c'est ça qui explique, par exemple, que vous voyez que tous les acteurs politiques, quand il s'agit d'un problème qu'il y a chez eux, ils sont les premiers à crier, il faut que la communauté internationale intervienne, intervienne. Donc, autrement dit, il faut que papa intervienne. C'est pour ça que je parlais des c'est pour ça que je parlais des mécanismes d'infantilisation, hein, de ces mécanismes d'infantilisation. Donc, les personnes donc sont convaincues, hein, sont viscéralement convaincues de leur statut d'infantilisation et progressivement sont tournées vers les adultes, hein. Les adultes vont. Alors, si on dit ça comme ça, c'est très choquant. Alors, on va utiliser des mots beaucoup plus doux, hein, comme la communauté internationale, comme parler d'universalisme, etc., etc. De Alors, tous ces. l'Organisation des Nations Unies. Est-ce que l'ONU ne tombe pas exactement dans dans ce genre d'institution pour infantiliser le reste du monde? Ben, eh bien, d'abord, quand on parle des déclarations des droits de l'homme que les Africains se gargarisent le plus souvent. C'est alors quand il y a la déclaration des droits de l'homme de l'ONU qui date des années 40. Hein, mais à cette époque-là, l'Afrique était encore sous occupation, sous domination, sous colonisation. Hein, même le mot colonisation est controversé. Mais bon, l'Afrique n'était pas libre. Hein, pendant que eux parler des droits de l'homme à l'ONU, nous, on était encore dominés. Alors, de quel homme parlait-il? Ça me rappelle ce président américain qui a composé la déclaration encore une fois, mais qui, lui, il avait des esclaves. Oui, hein? Oui, the people et tout ça, etc., etc. Mais de quel peuple parlait-il? C'est ça. C'est la même chose avec cela. C'est-à-dire, maintenant, nous, hein, nous autres Africains dans cela, nous allons donc nous revendiquer, hein, de cette déclaration-là, alors que à l'époque où elle est sortie, à l'époque où elle est publiée, nous n'étions pas considérés. N'étions pas Et considérés. là, dernièrement, j'ai entendu dire justement qu'il y a eu des accords de paix, des accords soi-disant de paix entre le Congo et les rebelles, et que l'ONU est impliquée et tout ça, mais on n'a rien compris là. Est-ce que vous savez encore une fois ce qui se passe La question du Congo, c'est que le Congo est le seul pays au monde où il y a tout. Alors, comme c'est le seul pays au monde où il y a tout, pour satisfaire les ambitions prédatrices dans cette région de l'Afrique, c'est que nous devons, c'est qu'il doit y avoir au Congo un pouvoir faible ou affaibli. Et c'est simplement cela. C'est-à-dire que, évidemment, on peut parler d'autres sujets, mais sur la question essentielle, c'est qu'il doit avoir, en tout cas pour les forces du capitalisme globalisé, il doit avoir dans ces pays-là un pouvoir faible ou affaibli. Et tous les moyens sont bons pour que cela soit effectif afin de pouvoir pomper, hein, afin de pouvoir pomper comme on veut les ressources qui sont là. C'est tout simplement cela. Et maintenant, la question des rebelles et tout ça, etc., etc., ben, tout ça, c'est simplement comment je vais dire, c'est un chaos organisé. C'est un chaos organisé où on va instrumentaliser des frustrations, on va exacerber des petites tensions latentes et tout ça là-bas, et aller maintenant nous monopoliser notre attention sur des questions périphériques et non pas sur les questions de fond. Hein.
On va monopoliser l'attention des gens sur des questions périphériques, déchaîner des passions sur les questions périphériques et non pas sur les questions de fond. Et entre-temps, bon, le pays est tapissé d'organisations non gouvernementales internationales. Et il y a des soldats étrangers qui sont dans le pays. Alors tout cela, il a bien fallu que les acteurs politiques du Congo aussi, par des mécanismes d'infantilisation, puissent aussi faire partie de ce accepter certaines choses qui ne sont pas acceptables non plus. Parce que justement, il y a cette éducation-là, hein, il y a cette éducation-là qui, comme vous entendez, beaucoup d'acteurs politiques congolais, ils vont vous dire, ah, il faut que la communauté internationale intervienne, il faut que la communauté internationale fasse ceci, fasse cela. Alors, dans un certain sens, nous faisons entrer nous-mêmes le loup dans la bergerie, comme je dois dire. Hein. Alors, ça permet de, et ça contribue à compliquer la situation. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que là, la solution pour le Congo, ça serait de chasser tous les armées étrangères et tous les organismes étrangères? C'est quoi la solution radicale, réelle? Parce que, bon, on dit que on parle souvent aussi de modération, de paix et tout, mais comment avoir une modération et comment faire la paix alors que on est en train de tuer les gens là? Bon, d'abord, il n'y a pas de paix sans justice. Pendant longtemps, on a cru que bon, on pouvait faire la paix en sacrifiant la justice, c'est-à-dire que on va confirmer des brigands à gauche, à droite et tout ça, à des situations, à des postes militaires ou politiques, en sacrifiant le besoin de justice. Mais on ne construit pas un pays de cette façon-là. La seule façon de garantir la paix, c'est de ne pas sacrifier la justice. Et pour revenir à ta question, que faire? En tout cas, je pense que la seule façon pour avoir en tout cas un résultat durable dans le temps, hein, pour avoir un résultat durable dans le temps, c'est de libérer l'esprit des Congolais de ces mécanismes d'infantilisation-là. C'est la seule solution. Dire que bon, on va demander aux autres aux ONG de vider le pays, de partir et tout ça, etc., etc. Oui, peut-être. À court terme, c'est bien beau, tout. On va célébrer, chanter cela. Mais si les esprits ne sont pas libérés, ça va recommencer. Ils vont Oui. les appeler de nouveau. Regarde par exemple, je donne un exemple parlant. À l'époque c'est pas la première fois que les troupes de l'ONU arrivent au Congo. À l'époque de Lumumba, ils étaient déjà venus. Hein? Ils étaient déjà venus. Puis après, ils sont partis. Mais les voilà, ils sont encore là. Mais entre-temps, comme l'esprit du Congolais n'avait pas été libéré, alors nous voilà, ils sont encore là. Ils sont revenus. Donc ils étaient partis déjà avant. Ils étaient déjà partis avant, mais les voilà, ils sont revenus. Alors donc, si aujourd'hui on décide qu'ils s'en aillent, ben, très bien, ils vont partir, mais dans 20-30 ans, peut-être qu'ils vont revenir encore. Est-ce que vous pensez que les peuples des Grands Lacs tombent dans le piège de conquête et de domination qui voulait que ils cherchent toujours à diviser certains ethnies, si on peut dire, ou certains groupes pour que on s'entretue entre nous et que donc la main-d'œuvre et tout devient encore moins cher. Alors, décidément, est-ce qu'il y a certains groupes qui sont manipulés dans les Grands Lacs qui font que tout ça arrive, ou bien c'est un travail individuel, Eh bien, bien sûr qu'ils ont que oui, mais Michel Kayoya le dit,
C'est-à-dire, ils analysent, ils épient, regardent, classent et définissent. Qui a classé? Qui est Hutu? Qui est Tutsi? Qui a classé comme ça là? Qui a défini? Qui a donné le contenu? Ouais, les Allemands. C'est ça. Donc, Michel Kayoya le dit dans sa réflexion. Hein, il dit, l'homme blanc se laisse voir homme chez lui, mais dès qu'il sort de chez lui, c'est-à-dire dès qu'il est sorti de chez lui, dès qu'il est arrivé dans la région des Grands Lacs, il a analysé, il a épié, il a regardé, il a classé, il a défini. Et puis il est reparti, ensuite il nous a envoyé des fusils. Voilà, non, non, c'est-à-dire que, et oui, il est reparti, mais l'école a contribué à véhiculer, à pérenniser, à installer dans l'esprit des conquis cette classification, ces définitions-là, et ce regard que les gens ont sur eux-mêmes. Absolument, parce qu'à l'école au Rwanda, on nous disait de se lever par ethnie. Voilà. Donc, c'est cela. Donc, pour répondre à la question, est-ce que les populations de cette région-là ont été victimes de cela? Oui, des deux côtés, hein, que ce soit du côté du Rwanda-Burundi et du côté du Congo, c'est cela, puisqu'il y a les classifications bantoues, nilotiques, pygmées. Oui. Tout à Qui a l'heure, on décidé? disait justement, on parlait sur Facebook de la similarité entre le Tshiluba et le Kinyarwanda, les langues, alors que. Oui, c'est-à-dire que les langues, il y a des similarités dans les langues, puisque là, bon, il y a le fait qu'avec le temps, les populations ont bougé, ont circulé, les langues. Bon, c'est grosso modo, les gens étaient grosso modo à un même endroit, et puis après, ils ont bougé, ils ont circulé, et tous sont partis avec les langues qu'ils avaient au début, et puis il y a eu des petites modifications, des petits changements, et tout ça. Mais grosso modo, fondamentalement, les gens, ils parlent à peu près la même langue, hein, mais avec des variantes, hein, avec des variantes selon les régions, hein, selon les régions. Donc, c'est pas tellement surprenant. D'ailleurs, quand on regarde même en Europe, c'est cela aussi. Hein, quand on entend les gens parler italien, français, portugais ou espagnol, bon, grosso modo, on sent que bon, il y a comme ça un peu des similitudes dans les mots et tout ça, etc., etc. Bon, en Afrique, on retrouve aussi des choses comme ça. Mais quand ils arrivent, quand les autres arrivent, quand les Occidentaux arrivent en Afrique, alors eux, ils décident, comme Michel Kayoya dit, ils arrivent, ils analysent, ils épient, ils regardent, ils classent, ils définissent. C'est eux qui vous disent que vous êtes comme ça, différents, etc., séparés comme ça, etc., etc., etc. Hein? Donc, la libération passe par le rejet de toutes ces identités et de toutes ces religions. Et donc là, le spirituel, ensuite l'école. Et puis donc, pour terminer, c'est quoi la troisième technique de domination mentale? Parce que là, bon, donc, on va raser les églises, on va raser les écoles. Et c'est quoi le troisième là qui doit partir? Donc, en fait, disons, pour dire les choses simplement, c'est qu'il faut se reconnecter à notre mémoire historique. C'est ça, en fait. Il faut se reconnecter à notre mémoire historique et avoir une conscience historique, c'est-à-dire s'inscrire dans la continuité, hein, des expériences passées. C'est cela. C'est-à-dire que c'est en se reconnectant. C'est en se reconnectant à notre mémoire historique qu'on va progressivement nous débarrasser de ces mécanismes d'infantilisation, parce que ces mécanismes d'infantilisation vont nous convaincre, comme je l'ai dit,
du stéréotype du nègre capable, mais dans le fond, c'est de dire que nous n'avons aucun génie créateur. C'est-à-dire que nous avons tout reçu des autres, comme des enfants. Comme des enfants. Nous avons tout reçu des autres. C'est parce que je parle de mécanisme d'infantilisation, c'est ça, c'est que, grosso modo, c'est de dire, nous avons tout reçu des autres, nous, on n'a rien fait. Alors, comme on n'a rien fait, on reçoit tout des autres, que ce soit la religion, que ce soit le tout, 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 tout. Alors que, quand on se reconnecte à notre mémoire historique, on découvre, hein, non seulement qu'on a fait des choses, mais que les autres aussi nous ont plagiés. C'est ça. C'est l'histoire du voleur qui va en cour pour accuser la maison dans laquelle il a volé les choses d'être les vrais voleurs des choses. Voilà. C'est ça en fait. Donc Waouh. voilà. Donc alors, quand on se reconnecte à notre mémoire historique, on développe une très forte estime de soi, hein, et on s'affranchit de ces mécanismes d'infantilisation-là. C'est cela en fait. C'est-à-dire que. Et que dire alors pour terminer, parce qu'il ne reste pas trop longtemps, mais on va dépasser de quelques petites minutes, que dire alors de la Banque mondiale, par exemple, et le Fonds monétaire international qui fait des investigations? Tous les jours, moi, je reçois des communiqués du African Press Organization qui parlent toujours de la Banque mondiale est allée dans tel pays pour surveiller et approuver, pour ensuite bloquer des crédits, mais ces crédits qui viennent de nulle part, vu que l'Occident n'a pas l'argent pour réellement prêter l'argent qu'il prête. Mais ça fait partie de cette architecture, de ces mécanismes d'infantilisation. Au niveau économique, par exemple, c'est-à-dire qu'ils nous ont largué, ils nous ont donné le développement, hein, le développement comme paradigme économique. Hein, nous devons nous développer. Au début, je parlais de l'usage diaérique du mot développement. Hein, c'est ça. Donc, on nous a donné une préoccupation qui est le développement, et ces banques-là, la Banque mondiale, le FMI et tout ça, font partie donc de cette superstructure, hein, qui nous infantilise, hein, puisque c'est eux qui doivent venir, hein, comme Michel Kaoya dit, c'est eux qui doivent venir classer, définir, c'est eux qui doivent nous dire que vous c'est bien, ce que tu as fait c'est bien, ce que tu as fait c'est pas bien. C'est papa qui dit. Programme d'ajustement structurel, sinon on vous coupe l'aide, on vous coupe le crédit et C'est financement ça. et... C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut toujours voir cela comme des mécanismes d'infantilisation. C'est papa qui dit aux enfants. Oui, mon enfant, tu as bien travaillé. Je te donne. Voilà, vous avez le prix. Voilà, Ah, j'accepte. les prix d'excellence et les prix Oui. et les faux doctorats là qu'ils donnent là. Moi, j'attends mon faux doctorat quand même. Oui, parce que si on doit parler des prix, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas, on fait pas beaucoup de louanges, par exemple, autour du prix Mo Ibrahim, Mo Ibrahim, ce Soudanais qui lui aussi a un prix, mais on va faire beaucoup de bruit sur le prix Nobel. Sous quel prétexte? Alors que le prix Mo Ibrahim donne beaucoup plus d'argent. Ah oui, il y a un prix Ibrahim qui donne beaucoup plus d'argent. Je suis intéressée là. Il faut être quoi Oui. pour Ah, l'avoir? bon, c'est essentiellement un prix qui est destiné aux leaders politiques africains qui se sont déchargés de la vie politique. Hein. Et voilà, c'est pour leur donner une occupation après leur vie politique et ne pas s'accrocher au pouvoir et tout ça, etc., etc. Mais dans l'imaginaire des Africains, bon, ce prix-là n'a pas de prestige parce que, bon, voilà, on nous a vendu un peu le prix Nobel. Si on n'a pas le prix Nobel, vraiment, c'est que c'est rien, quoi. Hein, en oubliant, on va nous donner un prix Nobel de la paix, hein, en oubliant que Alfred Nobel lui-même est inventeur de la dynamite. Hein, c'est un
c'était fabricant d'armes. C'est le nom du prix, le nom de ce prix, c'est le nom d'un fabricant d'armes. Trouvez l'erreur. Donc, et Le nous avons dit. nom du prix Nobel, lui, c'était un fabricant d'armes, quoi. Oui, c'est Waouh. un fabricant d'armes. Donc, et nous, on nous a convaincus que, bon, voilà, c'est toujours eux qui doivent nous donner, c'est toujours eux qui doivent nous fournir la reconnaissance. C'est-à-dire que si eux n'ont pas dit, c'est que, bon, on reste dans la brume. Si eux n'ont pas Ou dit que nos films bien, ne sont pas. oui, ou bien les gens qui récompensent, oh, soudainement, ils ont une importance qu'ils ne sont pas nécessairement censés avoir, une crédibilité qu'ils ne sont pas censés avoir, du genre le prix Nobel à Obama, et le prix Nobel encore plus controversé, qui est donné à Mandela et de Klerk en même temps. Et d'ailleurs, beaucoup de gens actuellement contestent Mandela et ce qu'il a fait pour l'Afrique du Sud et surtout son rôle dans le conflit du Congo. Oui, bien sûr, mais c'est comme je l'ai dit au préalable, c'est-à-dire que tout ça là, il faut toujours le voir ce sont des mécanismes d'infantilisation. C'est-à-dire qu'il faut que, d'ailleurs, même, voilà, on parle même de Mandela ou de Desmond Tutu, on va les présenter comme prix Nobel de ceci. Hein. C'est-à-dire on va plus les présenter comme des personnages qui ont lutté contre l'apartheid, hein, mais la façon dont on les présente maintenant dans le public, on va dire Mandela prix Nobel de la paix, Desmond Tutu prix Nobel de la paix. On va pas dire Mandela, on va pas dire dans un documentaire par exemple quand on va l'interviewer, on va dire bon voilà Mandela héros de la lutte anti-apartheid, on va dire Mandela prix Nobel de la paix. C'est tout le temps ça, hein? C'est tout le temps ça. C'est un peu comme pour gommer, un peu comme pour gommer l'effort qu'il a fait. Bon, maintenant, je sais que pour la question du Congo, on lui reproche certaines choses, bien sûr. Mais c'est comme j'ai dit, de toutes les façons, il faut toujours qu'on puisse voir ces choses-là sous l'angle des mécanismes d'infantilisation, parce que tout part de là. Voilà. Tout part de là, et on nous a convaincus de cela. Et la situation au Congo actuellement, c'est cela, puisque nous-mêmes, comme on a été convaincus par ces mécanismes-là, au lieu qu'on règle nous-mêmes les problèmes, parce que les problèmes, il y en a toujours, hein, c'est comme ça, la vie est ainsi, voilà, la vie est comme ça. Alors, au lieu qu'on puisse nous-mêmes prendre l'initiative de régler nos problèmes et de dominer nos contradictions, on va faire intervenir un troisième acteur qui va faire office de papa, qui va faire office de papa, hein, la nébuleuse communauté internationale, qui va faire office de papa et qui viendra nous arbitrer. Oui, non Voilà. seulement nous arbitrer, mais en plus de ça, en pire de ça, armer les différentes factions qui sont là pour se battre, selon que ça les avantage ou pas, et en plus avoir des soldats de l'ONU qui occupent le pays sans réellement faire la paix, parce que s'ils faisaient réellement la paix, il n'y aurait justement pas de guerre. Ah oui, parce que bon, maintenant, même pour la question des soldats, il y a des acteurs politiques qui sont pour que cette présence militaire se maintienne, parce que bon, voilà, nous sommes incapables d'assurer la sécurité de la population, donc il faut qu'ils restent là. Bon, ils vont rester là pendant combien de temps, on ne sait pas, hein. Quand on a des difficultés, quand on a des crises politiques, on va exhorter cette communauté internationale de nommer un médiateur neutre. Mais comment est-ce qu'il va être neutre? Ça veut dire quoi, médiateur international neutre? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein? Mais ce sont les acteurs eux-mêmes.
qui réclament cela. Alors, c'est pour cela que je parlais au début des mécanismes d'infantilisation qui ont fabriqué en nous ce consentement, hein, cette acceptation-là, que nous sommes donc des enfants et ainsi nous devons, nous acceptons, nous réclamons par nous-mêmes cette tutelle dans tous les sens du terme, hein, dans tous les sens du terme. C'est voilà notre drame. Donc, pour répondre à la question précédemment, c'est comment sortir de cela, c'est comment sortir de là, c'est de libérer. C'est de libérer l'esprit que les autres possèdent en leurs mains. C'est la seule façon durable de libérer. Hein? Parce qu'il y a, y a des façons, effectivement, qui auront des résultats à très court terme, bien sûr. On va être content et tout ça là-bas, mais. Si on veut que ce soit fort sur le long terme, nous devons démanteler cette superstructure des mécanismes d'infantilisation en nous reconnectant à notre mémoire historique. C'est la seule et unique façon de pouvoir y arriver, parce que d'abord, en parlant du Congo d'ailleurs, comme c'est un pays, hein, dans la géopolitique continentale et mondiale qui a une importance extraordinaire. Donc, il n'y a pas d'Afrique sans le Congo. Ça, il faut que les Congolais en prennent conscience. Il n'y aura pas d'unité africaine sans le Congo. Quels que soient les efforts des autres pays, c'est totalement Oui. impossible. Voilà, c'est totalement impossible. Et c'est donc les Congolais doivent considérer la libération de ce pays-là, de tous ces mécanismes prédateurs avec beaucoup de gravité, hein, Oui. avec beaucoup de gravité. Donc, plus d'églises, plus d'écoles et que les gens enseignent leur spiritualité à leurs enfants, que les gens enseignent leurs propres enfants sans les envoyer être mal éduqués plutôt dans des écoles, ou que les gens changent de programme. Il faut complètement réécrire le programme scolaire. Quelles sont les solutions, les étapes, disons, concrètes que vous pouvez proposer aux gens de faire dans leur vie quotidienne? Bon, d'abord, c'est de se débarrasser de ce vocabulaire, hein, le vocabulaire qui a été mis sur la table que l'on utilise au quotidien. Hein. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile parce que ça fait partie maintenant de notre façon de penser. Nous devons nous débarrasser de ce vocabulaire infantilisant-là, hein, le vocabulaire infantilisant ambiant. Nous devons, mais pour cela, effectivement, ça prend une pédagogie. Donc, il faut des médias, il faut des médias alternatifs qui fassent une pédagogie qui soit appropriée pour aider les gens à détecter, hein, pour aider les gens à détecter tous ces pièges et les en libérer. Donc, il faut à court terme. Ce que je pourrais dire, c'est de mettre en chantier une superstructure médiatique alternative, une superstructure médiatique alternative pour permettre d'informer de façon pédagogique les Africains sur cet enjeu-là. Alors évidemment, là, ça va de pair avec une production. Une littérature alternative qui va dans le sens aussi d'appuyer cette diffusion médiatique-là. Donc c'est en informant les gens c'est en informant les gens avec par le biais des mécanismes de diffusion alternative alternatifs que cela pourra se faire progressivement, cela deviendra réalité progressivement et nous débarrasser totalement de cette tutelle intellectuelle, cette tutelle intellectuelle-là. Mais il faut que Ah. les Africains, voilà, il faut que les Africains puissent faire cela et produire leur propre concept.
En tout cas, ça vraiment, ça m'encourage beaucoup parce que là, nous, on est en plein dedans, là, en train de créer nos propres médias et de communiquer la vraie information, le vrai savoir, et puis d'interviewer aussi tous ceux qui sont en train de publier des nouvelles connaissances, tous les auteurs. On vous encourage à nous contacter. Et puis vraiment de parler à des gens comme vous qui nous informent. Et puis on espère refaire ça encore une fois parce que là, c'est trop court. Là, on a dépassé le temps. On est en train de me dire d'arrêter de parler. Là, on a dépassé le temps. Mais donc là, on refera ça sûrement. De toute façon, on planifiera encore une autre émission à l'avenir pour voir c'est quoi le update sur ce sujet-là. Parce que, comme vous dites, c'est quelque chose qu'on doit continuellement faire, quoi. Genre, les oiseaux se lèvent tous les matins. On ne sait même pas si les oiseaux dorment. Et puis, ils font ce qu'ils doivent faire. Donc, pourquoi nous, on penserait que c'est une émission et puis ça va s'arrêter là? On reviendra là-dessus, n'est-ce pas? Oui, parce que de toute façon, on dit que la répétition est la mère des sciences. Ah, voilà. Alors, sur ce, cher Zwamba Simanga, premier des grands lacs du Grand Congo, merci, merci d'avoir été avec nous. Vraiment, vous êtes le vrai papa même. J'ai déjà dit. Merci beaucoup, en tout cas, c'est toujours un plaisir hein, de venir parler et partager bien des bonnes choses. Oui. Alors, à très bientôt et puis on va s'en reparler. Merci, merci. All right. Alors, merci chers auditeurs de nous avoir suivis. Merci de partout où vous êtes. Nous avons dépassé un peu notre temps, donc désolé pour ceux qui doivent voyager très loin et là et tout, mais ça en valait la peine. Alors, soyez réveillés. Ne priez à personne, surtout pas vers Rome. Tournez-vous vers vous-même, vers l'intérieur, spirituellement, l'école, réinventez l'école. Communiquez vos propres connaissances, écrivez vos propres livres, envoyez-nous des copies, on va en parler. Les médias, alors nous on est là à la radio, bientôt on va créer des émissions télévisées, vidéo et tout. Donc la communication du savoir est un devoir si vous voulez être là, survivre et avoir fait quelque chose de valable. All right! Bon alors, très bonne soirée. On remercie encore une fois les gens de Ouhem Mesout, tout le groupe de Ouhem Mesout, Nzamba Simanga et les autres. Alors, continuez d'être avec nous, You and I Talk Show de Vancouver. On est là partout, Nubi, Kemet, International, Mura Koze, Mura Moutier, Mura Karama. Yep.